Salut tout le monde et bienvenue sur Total Faro. Ce soir, je vais découvrir Aliaté dans cette VOD. On va voir un petit peu ce qui nous attend avec le patriarche des Pellacettes, Aliaté. Il est bâti pour endurer plus que n'importe quel homme, et ayant accepté de porter sur ses épaules les malheurs et les espoirs de tout un peuple, Aliaté a travaillé dur pour tempérer sa nature agressive. Toutefois, cela ne l'empêche pas de prendre des décisions difficiles quand il faut décider de trouver un endroit où s'installer, ou au contraire de continuer à chercher une herbe plus verte ailleurs. Donc lui, il a accès aux unités Fenku autochtones, donc des Cananéens. Donc lui, il a les unités de marins Pella 7. Et un petit combo Pella 7, enfin Pella 7 et Cananéens, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses à faire aussi hein, avec lui. En vrai, il y a des choses sympathiques. Charabeu, ça donne quoi ça? C'est la fameuse unité spéciale là. Charabeau, quoi. Et merci du follow, Ilnox, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Donc là, on va faire cette découverte. Donc on démarre au sud de Canaan. Donc on est entre les Égyptiens avec le Sinaï, Hirsu, Bey. Bey qui est à côté justement, on pourrait peut-être le taper rapidement et être tranquille. Allez, on est parti. Alors je chargeais ma config personnelle de campagne pour m'éclater. Comme ça, retour. Et on va jouer avec Aliaté, le patriarche des PR7. Qui va tenter d'assurer l'avenir. Parce que la cinématique, c'est toujours la même, ce qui est un petit peu regrettable. Il m'a rappelé un peu trop Cigeron avec sa barbe comme ça me fait marrer, mais... Comme nous, les Cananéens craignent les peuples de la mer et connaissent la rancœur. Ces envahisseurs n'ont ni ruse ni pitié. Pourtant, il y a les Pellacettes, dirigés par le puissant Aliat. Une figure royale, née pour régner. Peut-être pouvons-nous le raisonner, contrairement à ses pères sauvages. Les rumeurs disent que les Pellacettes ont été chassés de leur terre d'origine. Aliat a juré de leur en trouver une nouvelle. Entre la mer des vivants et celle des morts. Il est probable que Aliat et son peuple soient attirés par la prospérité de Megiddo pour s'installer dans son ancienne gloire. Megiddo appellera ses alliés à l'aide, laissant leur cité non défendue, prête à être conquise. Nul doute, Aliat saura saisir cette chance. La survie de son peuple dans son nouveau berceau dépendra de cela. L'expansion d'Aliat l'opposera à Ramsès, le gardien du Sinaï. Unis par la détermination et par la volonté, ils peuvent trouver un accord. Mais, en cas de conflit, l'un d'eux périra certainement. Aliat pourrait se tourner vers les royaumes situés au-delà du lac oriental, où de petits rois règnent sur des terres fragmentées, riche en ressources dont il a besoin. S'il veut prendre le contrôle de leurs richesses, la conquête et le pillage l'attendent. Bey contrôle les terres du Nord. Fidèle à sa ruse, il peut affronter rapidement les Pellacettes. Ou peut-être les piéger avec de belles paroles pour profiter de leur force. Puissant et déterminé, Aliat ne veut que le meilleur pour son peuple. Il laissera son empreinte sur Canaan. Il a gagné mon respect et ma crainte, car il pourrait devenir une menace pour l'Égypte si la couronne devenait plus attrayante que la simple survie. Ok, donc ça va être pareil. Alors, ah non, il y a des changements. Liste nomade agressif et de sédentaire défensif, unité à distance faible, ok.
Use les tirs, on va éviter traduction. Obtenir d'estime pour avoir conspiré après un complot réussi. Transfère une grande quantité d'estime vers un membre de la cour. Donc vénération de Kuvava, météo, choisir sa propre voie. Donc on a fait le chemin des maraudeurs, donc avec Aliette, on fera le chemin des peuples des mers. Donc, on va le faire tout de suite. No one shall deny my people a new home. Prod me again! I dare you! Je pense qu'on va prendre Diapo puis Megiddo. Alors je crois qu'il y a des succès avec. The world humbles me. Donc ça, venir le digne des billets. Non. À la mer, nous retournerons en jouant à Lieté ou à Yolaus. Perdez toutes les régions que vous occupez tout en maintenant une horde. Ok. Alors, perdez Pélasset en jouant à Lieté conquérir Yapou, Megiddo, Askelon et Urshalim. Ok, donc c'est ces villes-là. D'accord. Et bah, du coup, on va essayer de faire succès. Hardship là dans la cannot last. Allez. You are in my way. On découvre un petit peu leurs unités. Oh. Marin PL7 de Renault, ils ont pas l'air mauvais ceux-là. Ok. Alors, les fondeurs PLSL vont viser là. Un petit encerclement. On est en train de perforer les stipendiers cananéens. Là, on va tenter un petit flanking comme ça, on va pouvoir tout dévaster. Les haches dans le dos du général. Si on peut les caillasser ceux-là. Ok, première bataille, c'est fait. Les 10% déjà. I live up to my people's faith. Là, mon poste est vide ici. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Our fight is just. Alors, toi, t'as pris. Alors, croissance. Oh, ça, ça peut être fort, ça. Option de combat singulier. Oui, peut-être tuer un général. C'est ça le plan, quoi. Ok, allons-y. Trois, huit, onze, là je suis à sept. Nobility resides in bravery.
Alors je vais faire mon camp déjà. No shame in breast. Je vais essayer de reconstituer un peu mon armée. Alors qu'est-ce qu'on a de beau avec lui? Il y a des petits changements déjà. Alors déjà. No one shall deny my people a new home. On va faire Kouvavaï. Dégâts d'usure, ça va être utile. Et on va recruter quoi? Anything I can do, I will. Put your strength to use. All warriors are worthy. The palisade welcome all. Déjà pour démarrer la nouvelle armée. Pour l'instant, on peut pas choisir. On va attendre, on va déjà se recruter un petit peu nos forces là. Ok, viens. By will or sheer determination. Conserve strength. Oh, mais attends, t'as pas fait une petite erreur, mon vieux là. Laren calls. We shall not be stopped. Rose. Slow but sure. Alors, la présence, on va essayer de la booster au moins pour le combat singulier. Our fight is just. On va essayer de tomber Megiddo en priorité, ça va être ça le plan. Trust in me. Step aside, Canaanite. We keep trying. On va essayer de les agiter un petit peu là. Allez, on va la prendre. S'installer. On est 6%. We have them. Nouveau décret royal, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, ça peut être utile. You are in my way. Persevere, they shall yield. Le plan, ça va être d'éliminer Megiddo. Hein. Sur ces trois là, terme, ce sont nos objectifs. Our time comes. On va juste occuper. Allez, conquérant et colon, j'en ai aussi. The old lion perseveres. Ready for anything. Hardship cannot last. This too shall pass. Qu'est-ce qu'on peut faire à Megiddo comme bâtiment spécial? Moi, ça va être notre capitaine. Joaillier royal, ça peut être utile, effectivement. Soutien militaire. Oh, il y a des trucs à faire ici. Complexe professionnel de scribe. C'est un bâtiment unique, ça. Eh, ça peut être bien, ça, sur le long terme. Là, on a quoi? Du bois, de l'or. On va commencer par faire un petit peu d'or. Du militaire aussi. Oh, il y a des petits trucs sympathiques là. In hunger and plenty.
Nobility resides in bravery. On va augmenter la reconstitution aussi avec. Put your strength to use. Conflict builds character. Construction d'avant-poste disponible, Megiddo. Alors lui au nord. On va rajouter une petite tour là. Anything I can do, I will. Tired but ready. On peut faire quoi d'autre ici? Pas grand chose, hein. By will or sheer determination. Hardship cannot last. Laron calls. Surround, survey, besiege. I can wait forever. Alors, Megiddo, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va se calmer pour l'instant, on va rien faire d'autre. We shall not be stopped. More to be done. We have them. On va calmer déjà ça. Super bien pour la tenue. Acharnement sur 20. Yes. Trésor de Megiddo, ça donne quoi? This too shall pass. Ok, donc là on va gagner pas mal de reconstitution avec notre armée. On a un petit peu de nourriture. Il faut aussi un fort là. J'essaie d'améliorer Yapo au niveau 2, on sait jamais. I always listen. La milice Palazzo n'a pas l'air mauvaise. Hein. J'en ai embarqué une des joueurs. Gather round, take stock. All warriors are worthy. Ah oui, c'est vrai, j'ai des édits disponibles maintenant, vu que j'ai récupéré toute la province. I will burn everything you love. Bon, lui il déteste, ok, très bien. Ah oui. On a Courvava de dispo. Ça, ça peut être bien aussi. Conflict builds character. Moins qu'on puisse bâtir des choses. Il y a du potentiel avec eux. Je pense que la prochaine tête à Axe Canon puis Urshalim. Oh, il y a du pop par contre à Urshalim. Non. Anything I can do, I will.
Alors c'est quoi le plan? On va faire juste jardin royal, on va pas se poser 36 questions. By will or sheer determination, expecting the unexpected. Unburden yourselves. Voilà, pour nous, on peut pas trop recruter. Est-ce que là on aura quoi de l'or, de la nourriture, nourriture et pelle, c'est de l'autre côté, c'est du bois. Ok. Ça va nous faire de la nourriture. Hardship cannot last. Je pense que je vais rusher ça là pour réduire encore le temps de siège là. This too shall pass. Partir sur ça, faire un peu plus de bouffe. Un ticket de pêche. On a la forme, on n'a pas la pierre. Strong steel. Stand by me. On va déclarer la guerre à Ascalon. You are in my way. Our time comes. Laron calls. We keep trying. We shall not be stopped. Persevere, they shall yield. We shall find another way. Conflict builds character. On va se mettre là, on va essayer de renforcer notre armée. Non, on aura essayé. Anything I can do, I will. Safety and allies. En vrai, tu peux tellement te faire une armée rapide si tu The fais pas n'importe quoi. The Palisade welcome all. Our fight is just. Happy Boo n'existe plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. War is a way of life. Ok, maintenant qu'ils nous joignent à la fête. Et là, je prends l'autre voie, le voie des peuples de la mer. Alors ça, je comprends pas trop. Alors j'essaie. Mais il n'est pas grâce à vos avant-postes, ouais. Ok, donc plus nos unités ont point, d'accord. Point d'habitation. More to be done. Transformer votre corde en armée. Nobility resides in bravery. En vrai, ça peut être avantageux, mais je pense qu'il vaut mieux. By will or sheer determination. Oh, un char à bœuf. Put your strength to use. All warriors are worthy. No shame in rest. On y va.
tenter de tomber à ce canon. Hardship cannot last. Conserve strength. J'ai peut-être été un peu gourmand. Our search continues. Their walls are not enough. I can wait forever. Oh, j'ai un peu recruté trop vite avec Aliaté. Oh, bah on va tenter de la prendre alors. Ah non, je deviens pas vrai ça, par contre, faut pas déconner. Do not. Ça m'aide bien tout. Et en plus, on récupère une... Ah bah, ça nous fait nos deux objectifs. In hunger and plenty. Alors, Ascal, qu'est-ce qu'on peut faire? Réserve d'eau profonde souterraine. Et il y a un temple ici. On peut recruter des choses, on a une pêcherie, ouais. Bon, ça va bien nous aider économiquement. This too shall pass. Trust in me. Chalim, je vois un petit peu ce qui nous attend. Il n'y a rien. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Un petit moulin à blé, je dirais pas non. Un support, un fort militaire, si je dirais pas non. Conflict builds character. Tired but ready. Hide as best you can. On peut améliorer Yapo au niveau 3, on va le faire. Très bien. Anything I can do, I will. On va se mettre en route tranquille. Stand by, men. We have them. Step aside, Canaanite. C'est charmant sur ces victimes. People's faith. Aliaté, conquérir Ayabo, Askelon, Yurchalim. Deuxième succès, ok. By will or sheer determination. Qu'est-ce que je peux faire de sympa? Un peu de bouffon plus là, d'accord. Ready for anything. Bon, il ne reste plus qu'à aller chercher Pelle et on sera pas mal là. Alors Ramsès, ça dit quoi de son côté? Blessed by the gods. Il n'y a que 4 provinces. Dans la prochaine étape, c'est se rendre à l'appel. On termine avec notre adversaire. Ouais, on va prendre l'entretien en moins. Tout ça, rébellion imminente. Ah. Deal. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour de l'ordre public dans le coin? Il y a ça, mais on a plus qu'un de pierre, super. Hardship cannot last. Paniquer, on va essayer de raser les avant-postes. I will grind you to nothing. Qui me déclare la guerre parce qu'il m'aime pas. This too shall pass.
Je vais me mettre ici. We walk with Kuvaba. Oui, Kuvaba, on a compris. Ok, lui il m'attaque, il est chaud. Il va retenter un petit peu son geste là. Voilà. The old lion perseveres. Step aside, Canaanite. You are in my way. We keep trying. No one rules me. Ok, donc là il y a beaucoup de Canaanites qui se pointent, on a compris. Allez, c'est quoi? Une guerre civile en Égypte, ça commence bien. Ok, c'est reparti, c'est bien. On arrive, on t'a pas oublié. Our time comes. Expecting the unexpected. Laron calls. Okay, two new divinities. Yes. Strong steel. Au niveau des frais royaux. Tant d'espoir que siège plus 2, je dirais pas non. Prod me again. I dare you. Time for trashing. Il a beaucoup de haches, c'est ça le problème. Des peuples de la mer. Conflict builds character. I always listen. Lui, il est en train de crever, c'est bien. Fight me. Le problème, c'est que j'ai un peu trop d'ennemis à mon goût. Born to do battle. Just give me an excuse. Just give me an excuse. Allez, mille de bouffe. Cent de bouffe. 795. Allez, 795 de bouffe. I will defend my home. Maybe I should cut off your head and take it back to my tribe. Si j'arrive, je vais t'en coller une. Trust in me. Step aside, Canaanite. Bon, je vais pas sacrifier peine, hein, j'ai pas fait de construction. Mais bon. Anything I can do, I will. Keep close to the ox carts. Le souci qu'on a, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de pied.
aurait de la pierre du côté de. De tir, mais il faudrait taper Bay, ça veut dire. Il y aurait de la pierre du côté du village d'Azor, exactement. Et aussi de la pierre à Sichem. Hein. On va revenir déjà, on va lui foutre une petite leçon. Ok, on essaie d'en profiter. On accepte. Ah ouais, monsieur, ça arrive pas, d'accord. C'est pas grave, j'aime bien le son. Mais en plus, ça s'affaiblit, ce coup. Ah ouais, il me l'a rasé, d'accord, je note. Ah bah, le rebelle l'a. A fait le taf. By will or sheer determination. Day and night, we seek. I slaughter people who bother me. Tu m'as rasé, Yapou, enfoiré. Pas que les rebelles vont la recoloniser comme ça. Hop. Une guerre civile, dit ça, et c'est parti. In hunger and plenty. Ouais. Hardship cannot last. On va coloniser Yapou vu que ça a été détruit. Voilà. We could build something here. Ah ouais, il nous a tout dévasté. D'accord. This too shall pass. No one tells me what to do. On a compris. More to be done. Step aside, Canaanite. Conflict builds character. Réussi à leur faire pas mal de dégâts. Alors, un petit peu. Ouais, je le vois pas sur un char archer allié. Ready for anything. Let's maintain order here. On peut commencer à revoir notre arme et alors le char je vais le dissoudre. The palisade welcome all. Our fight voilà. Is just. On va regarder un petit peu comment on peut. Anything I can do, I will. Les deux là, pareil. Nobility resides in bravery. C'est vrai qu'on manque deux haches. Hein. Put your strength to use. Prepare for the unknown. Quelques lances. By will or sheer determination. On aura pour si jamais on affronte des cavaliers et des, enfin, des chars surtout. Les lanciers auront un rôle à jouer. Hardship cannot last. Merci pour l'abonnement, c'est gentil.
Même si je t'avoue, yet another journey. En fait, je l'utilise même pas du tout. Mais... Alors là, le plan, ça va être quoi? Bon, allez, vas-y, on va avancer un peu là. Dans 11 tours, on va avancer jusqu'au 15% de portée de campagne. All warriors are worthy. J'ai déjà quelques haches, est-ce que je reprendrai pas des envahisseurs rapides? Gather round, take stock. Ça a bien fait dévaster la gueule là, à cause de tous ces connards. This too shall pass. Non, pas du tout, calmez-vous. La régène, on sait jamais. The air smells of peace. Alors avec, expecting the unexpected. On peut pas passer comme ça. On va franchir le lac quelque part. Sinon, on fait le grand tour. We go on. Là, on va faire un petit combo cananéen et. A hard march ahead. Et PL7, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là on est à moins 4, ok. Y'a pas un truc pour augmenter le bonheur ici. Il y aurait ça à la limite. Il y aurait ça. Le fait de toujours pas avoir de pierre, c'est embêtant ça. I always listen. Parce que ça va pas tarder à changer. On se rempare de certaines villes ici. Si on s'empare tous Sichem, on récupère bronze, pierre et bois. J'avoue que ce sera un bon bonus. Il faut aussi jouer sur faire monter l'influence. Hein. Tired but ready. Est-ce que... Together we are strong. Apart, we are weak. I prefer strength. Il n'y a pas de tir, ok. Si j'aime, tu veux pas la paix par hasard. Never back down. I will break one of your bones. On va aller te chercher, mon vieux. T'as voulu la guerre, bah. Pas le regretter. On va te rendre la politesse, mon grand. Conflict builds character. We shall not be stopped. Si j'aime, hein, comme ça. Allez, on récupère un peu de pierre. Anything I can do, Amon, y a I personne. Will. On pourrait peut-être récupérer le village pour nous. Ah. By will or sheer determination. Donc lui, on va s'en occuper déjà. Ah, on va s'occuper de tout ça déjà. Ça va être le problème de ce chêne. On va prendre 10% de la chaîne. Strong steel. On va occuper. A place to grow stronger. Deux divinités des Cananéens qui sont Moloch. Ok. I answer the call. Le bronze, ça s'en route. In hunger and plenty. The palisade, welcome all. Les archers, non. Alors, un nouveau point. Allez, moins d'entretien, c'est toujours bien. Bon,
chercher la prochaine ville là-bas. Hardship cannot last. Si on peut calmer Asaka. Est-ce qu'il y a encore des choses, Asaka? I will unite my people. Ni vu ni connu, on est bien quoi. Déjà là, on va régler le problème. Je pense qu'avec Aliété, bon là je crois un peu, je sais, hein, mais c'est voulu. Je pense qu'en vrai, si on arrive à... War is a way of life. Oui, je crois que je vais déclarer. I always listen. Moi, c'est je t'aime moi non plus. Tired but ready. Oh shit. Our fight is just. On va attendre, comme ça on rasera le fort et après on attaque Sichem directement. Là le but ça va être de faire ça, ça, volte-face. J'ai encore des rebelles. Say your final words. Ça me donne un peu la source aussi. Ça limitera notre perte. This too shall pass. C'est quoi, c'est un fort? We have them. Persevere, they shall yield. Attends qu'on ait six chaînes. On aura plus de pierres et on va se mettre bien. Alors. Bon, ça ou ça. Je vais prendre et détruire Sichem. C'est notre but de toute façon. You are in my way. Allez, on rase aussi. Conflict builds character. This could be home. I can wait forever. Ok, divinité locale, pour nous on n'a rien. On va attendre combien de tours là? On va attendre quelques tours déjà, 4 ou 5. On sort bien les amochés. Et s'ils veulent sortir, bah qu'ils sortent. Hein. Oh, vous sortez, bah sortez alors. I live up to my people's faith. Comme ça, on récupère de la pierre et on pourra commencer à débloquer des choses. Je pense notamment à l'or. Un petit peu d'influence. Ready for anything. Là, on commence à être bien avec toute la nourriture. Peu de bonheur aussi, ça fera pas de mal. Il nous reste plus qu'à prendre Sich, leur dernière ville au nord, et c'est gagné. Anything I can do, I will. Nobility resides in bravery. Put your strength to use. J'ai juste embarqué deux chevaux. Safety and allies.
Ça, j'aurais 4 tireurs. All warriors are worthy. Et peut-être rajouter quoi? The Palisade, welcome all. On va y aller à 18, on va aller chercher la dernière ville, je pense que ce sera pas mal. Je pense qu'on s'arrêtera là pour la découverte d'Aliaté. Strong still. Expecting the unexpected. Passer mes guides au niveau 2. I answer the call. By will or sheer determination. Le voisin des Wishes, j'aime bien le nom. Justement. Là, on va pouvoir récupérer pas mal de. More to be done. Our time comes. Laren calls. We keep trying. L'autre là qui j'ai pas compris pourquoi il m'a dit que la là-bas. Just give me an excuse. Ouais, 52. J'ai un petit bug, je sais pas si c'est lié à ça. Et je lui demande de la bouffe. Ouais. Fine. Ça, lui, on s'en fout. We shall not be stopped. Et après on aura le bois et on sera bien. Ok, il s'est rebarré. We have them. Step aside, Canaanite. Ouais. Comme ça, tu rases l'avant-poste. Derrière, tu vas chercher. Hardship cannot last. Step aside, Canaanite. De buter l'autre. Parfait. Tu prends une victoire décisive. C'est bien ça quand t'as plusieurs numéros. Le combat 5 et 6 dans l'immédiat. The old lion perseveres. Voilà. Cette petite pierre, ça peut être bien aussi, je vous dis. J'avoue qu'un fort à 6 chems, alors. Quoique 6 chems n'est pas si exposé que ça, tu vas me dire pour le moment.
C'est quoi qui sera le plus exposé pour moi? C'est les villes ici. Hein. Askelon. Là, on va regagner un peu de bonheur. Ça, je vais le péter. On continue de détendre un petit peu. Alors, Yapou, ça, c'est sûr, faut le refaire. Et ben, en tout cas, c'est plutôt sympa. C'est différentes mécaniques, j'aime bien. Il y a de quoi faire avec les pélacettes et tout ça. J'avoue que là, on peut se faire. S'il y en a qui peut détruire le monde et l'autre conquérir pour survivre, il y a des belles choses à faire. Ouais. Là, on a fait les points d'ambition. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cette VOD avec Aliaté qui s'est mis passé. Bon, il y a eu beaucoup de combats en auto, mais c'était voulu. Là, vous faites déjà un beau petit territoire dans le sud de Canaan. Si vous arrivez à stabiliser, et ensuite vous pouvez soit vous remonter vers le nord et vous unifier tout Canaan, aller chercher les îles, pourquoi pas. Parlant de diplomatie. Life is not fair. Neither am I. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu sur YouTube. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.